Bonjour à tous, bienvenue sur West Miniature. Alors aujourd'hui, on va faire la petite vidéo de l'ouverture du sac que j'ai acheté il y a une petite semaine. Alors je mets ça à côté de moi. Alors je voulais tourner la vidéo un peu plus vite, mais j'ai pas eu le temps cette semaine. Alors nous allons commencer tout de suite. Par contre, elle est un peu basse. Bon, ça y est, j'ai mis le sac à ma hauteur. Alors, nous allons commencer tout de suite par ce qui m'a fait acheter le sac, cette petite remorque. Malheureusement, qui n'est pas complète, il y manque la rampe de derrière. Par contre, le dessous est nickel. Et voici pour cette petite remorque. Hop, allez. Alors, je vais prévoir une petite boîte à côté où je mettrai toutes les petites madeichines. Hop. Ça fera le Noël d'un petit garçon. Allez, en voici une autre. Elles sont assez propres, ces petites voitures. Allez, un petit... Je sais plus ça. C'est du majorette. Je ne sais plus ce que c'est. Peut-être un Renault. Alors, bah, je me demande si c'est pas le camion plein d'air, celui-là qui a la publicité sur le côté en triangle. On verra bien. Mais ça reste du récent. Allez. Carton. Une petite déesse, nos rêves. Assez jolie. Modèle que je dois avoir dans la vitrine, je le vois pas d'ici. Hop, on garde. Alors celle-ci, je l'ai sortie l'autre jour. C'est du Burago, une petite Polo WRC Volkswagen, qui est très jolie. Elle est comme neuve, son aileron, très joli tempo. Elle est vraiment superbe à l'échelle 1,43. Jolie petite plaque d'immatriculation. Vraiment assez propre. Hop, 1,43 en bas. Un petit Mario Kart. On va le mettre de côté pour l'instant. On va choisir après. Carton. Hop. Un petit train en bois avec des aimants. On dirait plus du plastique. Bois et plastique. Hop, carton. Là, on est sur du Hot Wheels. Une Solar. C'est un modèle que j'ai déjà, mais je crois qu'elle est noire de mémoire. Hop, Hot Wheels de côté. Real Toy. Petit camion futuriste. Hop, qui part dans le carton.
carton. Celle-ci est assez belle, mais c'est pareil, carton. Oh, un petit combi. Un petit Willy. Hop, un petit T1. Petit modèle que j'ai sûrement dans ma vitrine. Parce que c'est un modèle assez commun. Alors, j'ai pas mal de petites pièces majorettes. Alors, c'est du Majokit. On va mettre ça de côté, parce que j'ai vu qu'il y en avait 2-3 dedans. Encore un petit carton. Et celui-là avec le champignon, je crois que je l'ai avec les autocollants. Ça, c'est du Nos Rêves. Mais il lui manque le télescope. On va le mettre là pour l'instant, on verra. Ça, c'est un petit véhicule en plastique, carton. Majorette. Ah. C'est quoi ça? Made in China, aucune marque. Tout ce qui est marqué, c'est Majorette. Bizarre, c'est la première fois que je la vois celle-ci. L'aileron me parle. Il n'y a rien de marqué. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. À vérifier. On dirait peut-être une Subaru. Ah. Une petite Panda, Fiat Panda 4x4 de chez Majo. Modèle que j'ai déjà en 3 ou 4 exemplaires, celui-ci. Une petite Willy New Beetle. Très belle. Complète. Pas trop abîmé, un petit coup de nettoyage. Hop, on va les mettre en haut. Ici, une petite Porsche Majorette 2013. Méca du jeu. Partira peut-être en restauration celle-ci. Le pare-brise n'est pas cassé et tout ce qui lui manque, c'est la rampe de gyrophare. Petit projet de restauration. Oh, j'ai envie d'éternuer, ça va finir par sortir. Petit taxi. Taxi que je dois déjà avoir. Londres taxi. Un petit monte-charge, pain d'air, il lui manque ses fourches. Petite Formule 1, aucune marque, carton. Petite voiture de police, métro, carton, petit Kangoo, express, pain d'air, cas du jeu,
Il manque sa porte arrière. Il manque un feu à l'avant. C'est dommage parce que la tempo était là. Hop. Jolie petite remorque. DHL. Faisons un petit coup de nettoyage. C'est du majorette. Tout ce que j'espère, elle a ses portes. Tout ce que j'espère, c'est que le camion soit dans la boîte. Dans la boîte, dans le sac. On va le mettre là, en espérant qu'il y ait le camion. Parce que ça fait une semaine que le sac est là, mais ça fait une semaine que je ne suis pas rentré dans la pièce. Ici, nous avons encore du majorette, une petite Toyota Prius. Et là, nous avons Mercedes AMG GT avec des roues blanches. Elle a des ouvrants. L'intérieur est tout blanc. J'ai l'impression qu'il y a un peu de vert sur les jantes à étoiles. Hop. Je les mets là, on verra bien. Ici, petite voiture pour le carton. Ça, pareil. Pour le carton. Petite moto pour le carton. Là, nous avons une pelle mécanique majorette. Hop, avec les engins de chantier. Et ici, nous avons majorette un petit Ford 2013. Et il lui manque, comme d'habitude, la benne. Hop, on va le mettre à côté. Allez. Encore une partie de Majo Kit. Un petit camion de pompier. Aucune marque. Il est en plastique, mais la cabine est en métal. Il est assez lourd. Très propre. La grande échelle qu'elle a. Allez hop, carton. Une petite Hot Wheels. Ça a été Hot Wheels McDonald's, je suppose. Elle est en plastique. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Encore une petite F1 carton. Hop. Je fais un tas devant moi. Ah, un véhicule de NASCAR que je viens de voir. Il aurait très bien été dans la vidéo que j'avais l'autre jour. Alors, ici, nous avons encore un petit véhicule de police métro. Hop, dans le carton. Et voici la petite voiture NASCAR, numéro 15.
Et l'autre, c'était laquelle? Crois que c'est celle-ci qui a les mêmes jantes. Ah ouais. Celle que je vous ai présentée dans une des dernières vidéos. Dans le carton, celle-là aurait très bien été avec. Allez hop, on va la garder celle-ci. Petite voiture Cars qui va aller dans le carton Cars. Petite F1, pareil. Très jolie, en très bel état. Elle va rejoindre le carton. Ici, nous avons, on dirait une petite Nissan, mais c'est pareil, carton. Encore une pour le carton. Majorette, ah, j'aurais pas dit. C'est une petite Porsche. Porsche 911 Carrera. Vitesse de pointe 289 km/h. Assez propre. Voici pour cette petite 911. Encore une qui va aller dans le carton. Petite micro-machine qui va passer derrière aussi. Ici, nous avons une dépanneuse Smoby. Premier âge. Allez, hop, dans le carton. Allez, on en reprend une poignée. Encore du Volkswagen. Allez, encore une deuxième année, hop. Allez, ici nous avons petite majorette Amarok des pompiers avec un ouvrant. Il est sympa. Je crois pas avoir le modèle là. Ah non, j'ai le modèle pick-up. Ouais, j'ai le modèle pick-up car je le vois d'ici. Il va aller rejoindre le modèle pick-up. À moins que la bâche s'enlève à l'arrière. Ouais, j'ai l'impression que la partie là s'enlève. Mais je vais le laisser dessus avant de le perdre. Alors là, nous avons du Lego. Petite fusée. Hop, Lego à part, je sais pas. Un petit train plein d'air. Alors ça, c'est la première fois que je le vois aussi. Je dois en avoir un rouge et un vert par là, mais en plein d'air, je ne l'avais pas. Ah, je vois qu'il est abîmé à l'avant. Il a dû se prendre quelque chose sur les rails. Allez, la petite New Beetle que je vous parlais, à l'échelle 1,43. Et c'est des Willy. Petit coup de lingette. Et elle sera toute propre. Volkswagen. Ça en fait déjà 4.
carton, carton. Et ici, nous avons du Hot Wheels. Pareil, tout en plastique. C'est le châssis qui est métal. Une alarme. Hot Wheels, je les ai mis où? Ici. Hop. Ça, j'ai dit. Et nous avons encore un petit 4x4 Runner Majorette. Toyota Runner. Pain d'air. Cas du jeu, mais il est assez propre dans l'ensemble. La tempo est propre. Hop. Allez. Alors, ce sera peut-être la vidéo la plus longue de cette chaîne. Est-ce qu'il en reste encore pas mal. Ah, j'avais la locomotive tout à l'heure, maintenant j'ai le train. Hop, vous savez très bien où est-ce que ça va aller dans le carton. Ça, on dirait un personnage de jeu vidéo. Je verrai avec mon fils, il va me dire ce que c'est. Une jolie voiture des pompiers. Carton. Là, pareil. Carton. Véhicule de chantier. Carton. Celle-ci, elle a les roues arrière qui sont déboîtées. Carton. Là, j'ai une jolie remorque. Par contre, il n'y a rien de marqué dessus. Les jantes sont sympas. À quoi elles ressembleraient ces jantes-là? Castrol. On va mettre ça de côté pour l'instant. On sait jamais. Alors là, encore une qui est en bon état, mais c'est pareil. Ça passe derrière. En voici une deuxième. En plus, c'est exactement la même. Ah non, elles sont différentes. Pareil. Petite pièce en plastique. La petite remorque du train qui est en très bel état. La remorque, qu'est-ce que je dis moi, le wagon. Encore une pièce. Hop. Ah, je viens de voir du solido. Oui, solido. Un Dodge 4x4. Ah, c'est dommage. Il manque le pare-brise, mais il me servira de donneuse parce que j'ai toute une mallette de camion de pompiers. À qui il manque des pièces. Hop.
Alors là, nous avons un petit camion. Aucune marque. Carton. Petit tracteur, nos rêves. Ah, dommage, il manque le pare-brise. Une petite BMW Z8 majorette. À qui il lui manque toute la partie moteur, pare-brise. Les feux. Voici pour ce modèle. Encore une petite voiture NASCAR. Celle-ci va partir dans le carton. Et celle-ci, par contre, je crois pas que je l'avais présentée. J'aurais dû attendre une semaine ou deux avant de faire la vidéo sur les NASCAR. Ça fait déjà la deuxième. Et vu tout ce qu'il reste dans le sac, on va peut-être en trouver d'autres. Alors là, ils ont voulu reproduire la Ford Sierra XR4, vu les doubles ailerons qu'il y a à l'arrière. Mais ça lui ressemble vraiment pas du tout. Encore un petit peu la face, mais c'est tout. Et on va essayer une deuxième. Hop, allez, carton. Allez, là, il y a du bateau. Encore un camion de pompiers. Allez, encore une poignée. Hop. Alors là, nous avons eu un petit 4x4 Hot Wheels. Tout ce qui est marqué, c'est Hot Wheels. Peu bizarre les roues. J'ai l'impression que l'essieu va passer sur l'autre. L'essieu est bien fatigué. Pas mal de jeux. Allez hop, petit Hot Wheels. Encore une voiture qui va finir. Carton. Celle-là est jolie. C'est comme la zébrée tout à l'heure. Ça devait être une série Safari ou puisqu'il y a un rhino qui est dessiné sur le côté. Et l'autre, elle est dans le carton, elle est où? Elle est là. Ouais, ça devait être la même série. Allez hop. Ça lui fera un joli petit Noël. Alors ici, nous avons du Matchbox. Un petit chasse-neige. Est-ce qu'il a une date? 2005. Encore une qui va finir dans le carton. Petit camion.
qui va finir dans le carton aussi. Encore un petit tracteur. Par contre, là, c'est du 6Q. Petite barrière. Alors, j'ai une petite pelle de tracteau. Ça irait sur lequel ça? Non, ça va pas là-dessus. Ça ne va pas là-dessus non plus. On met ça là pour l'instant. Un petit bateau. Sans marque. Hop, allez, dans le carton. Ah, la deuxième partie du Lego. Ça vient de chez McDo. Ça se met comme ça. Alors là, nous avons une petite Wheelie F1. Celle-ci va finir la poubelle puisqu'il lui manque les deux roues avant. On va la mettre dans la caisse des voitures à restaurer. Encore une petite F1 qui va aller droit dans le carton. Encore une petite Jeep. Allez, hop, dans le carton. Il en reste encore pas mal. Allez hop, carton. Là on est sur du Maisto, petit tractopelle. Allez hop, carton. Petit hélicoptère majorette. Il lui manque la partie arrière qui est cassée. Mais personnellement, je préférais les anciens hélicoptères. Ils étaient plus jolis. Hop. Alors là, on est sur du solido aussi. Solido. Petit camion de papier, de pompier avec sa bâche. Un petit Renault Goélette. Si je me trompe pas, ça doit être ça. Rien de marqué. Et je crois que c'est ça. Il a besoin d'être serré. Camion pour pied, je t'ai mis où tout à l'heure ici. Allez, encore une petite F1. Encore une partie. Encore une qui va finir dans le carton. Une petite BM
Majorette, cas du jeu. Samu. Hop. On va la mettre avec la Porsche. Ici, j'ai un joli petit camion américain avec un très joli flaming, un joli bleu nuit qui est vraiment assez sympa. C'est vrai qu'il est pas mal. Il n'a aucune marque. Bon, on va voir si il y a la remorque, sinon il va finir dans le carton aussi. Allez, une petite F1 encore. Un petit camion. Tout en plastique. Yep. Très joli vert. Il va finir. C'est vrai qu'il est sympa le vert là. C'est vraiment un vert très sympa. Et il va finir derrière dans le carton. Encore une petite micro. Voiture de Batman. Ah, je vais être chez McDo. C'est les roues quand elles tournent. Ils font tourner la turbine. Je sais pas si j'en avais pas un ou qui s'allumait la partie rouge là. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Alors est-ce que c'est avec les Majo Kits, je ne sais pas, il y a un numéro, mais il n'y a aucune marque. On verra. Le sac se vide, les amis. Allez, encore la dépanneuse Cars. Voilà. Ici, nous avons un camion de police. Droit dans le carton. Pompier. Droit dans le carton. Encore du casse. Hop. Alors là, on est sur une petite majorette. Comme celle de tout à l'heure. Petite Citroën C1, mais elles ont l'air toute petite. Est-ce que la C1 est si petite que ça? Il n'y a rien de marqué. C'est marqué Majorette. Il n'y a pas de numéro de référence, il n'y a rien. C'était celle-ci, l'autre c'était. C'était celle-ci. Ouais, ça, faut que je voie. Les deux là. Et pourtant, elle m'a l'air à l'échelle parce que je sais qu'elles sont toutes petites. Bon allez, encore une qui va faire un carton. Encore une majorette. Oh, c'est bizarre ça. Un petit, pareil, rien de marqué. Mitsubishi. Ah, il y a le logo devant. Il lui manque un feu.
Hop. Encore du Cars. Sur base d'Alfa Romeo. Ici, ça, c'est du... Oh, du CQ, une traction. Qui est assez jolie. Une belle couleur marron et blanc là. Très très jolie cette petite Citi. On va te mettre là. Encore un morceau de route. Alors ça va venir avec le camion là, je suppose. J'avais bien raison. C'est les panneaux publicitaires qui vont sur ce camion. Par contre, il manque l'autre partie. Ça se trouve, elle est dans le fond du sac. On va le laisser là pour l'instant. Une partie de camion. Petit drapeau. Hop. Encore une petite F1. Toute petite petite tricycle, une benne en plastique, c'est vrai, avec quoi ça? Power, à revoir tout à l'heure. Encore un petit 4x4 Toyota Pinder. C'est complet. Quels sont les rayons à l'arrière? Hop. Une roue. Là, j'ai un petit camion MAN jaune. Est-ce que ce serait le camion? Par contre, j'ai une belle remorque verte. Est-ce que ce serait le camion de la remorque là-bas? Ouais. Encore quelques petites poignées et on arrivera au bout du sac. Alors, encore une remorque. Comme celle-ci, par contre. Toujours pareil, rien de marqué. J'ai pas vu grand camion. Allez, encore un petit tracteur. Ça va pas avec. Assez sympa, mais il n'a aucune marque. Et il a un petit bout. Hop, que j'ai enlevé. Très joli. Allez hop, carton. C'est quoi ça? Oh, une chaise pliante. Ce ne serait pas du Playmobil, ça? C'est peut-être du Playmobil, mais il n'y a rien de marqué dessus. Je croyais que Playmobil marquait tous ces plastiques. Hop. Elle ira très bien avec le bus Playmobil que j'ai là-haut. Petite moto. Alors, le camion, voici, est-ce que c'est du Majorette? Oui. Un petit MAN. Et je crois que j'ai trouvé sa remorque.
Par contre, c'est pas les mêmes jantes. Mais il lui va très bien. Hop, on va le laisser. On va laisser l'ensemble. J'en étais où? Ah oui, il y a une belle petite remorque verte là. Du SiCu. Très propre. Une petite Audi Burago. Audi 1-1. Ou 1-43. La plaque devant qui se décolle. Et en plus, qui est collée à l'envers. Hop. Ça, est-ce que ça va avec le Majo Kit? À voir. Hop, on met avec pour l'instant. Ça, c'est pareil. Je sais pas ce que c'est.